Whoopi Goldberg est une actrice renommée qui s'est fait connaître pour ses rôles dans plusieurs films acclamés par la critique, tels que Sister Act et Ghost. Elle est également une figure marquante de la télévision, puisqu'elle est co-animatrice du célèbre talk show de jour The View. Les choses essentielles dans la vie de Whoopi Goldberg sont ses rôles de mère, de grand-mère et même d'arrière-grand-mère. Sa carrière à Hollywood lui apporte beaucoup de succès, mais sa famille est sa plus grande réussite. Goldberg, aujourd'hui âgée de 67 ans, ne cherche pas à dissimuler son âge et ne semble pas non plus gênée par le fait qu'on en parle sans cesse. Même si certaines personnes ont des opinions sur son âge et son apparence, cela ne l'a pas empêché de reprendre la joie et le rire. Portrait en studio de Whoopi Goldberg en 1988. Source: Getty Images. Whoopi Goldberg n'est pas étranger aux critiques. Au début de sa carrière, elle a affronté les critiques des personnes qui la jugeaient sur son apparence, notamment ses cheveux. Selon elle, d'anciens producteurs s'en prenaient à ses cheveux et lui demandaient vertement ce qu'ils pouvaient en faire. Irritée, elle leur arrachait une main et demandait pourquoi ils continuaient à jouer avec ses cheveux. Whoopi Goldberg, le 4 mars 2018, à Hollywood, en Californie. Source: Getty Images. Goldberg a rapidement réalisé que ses actions avaient bouleversé d'autres personnes, causant son malheur, alors qu'elle n'avait fait que se défendre. Elle a eu la chance d'avoir quelqu'un pour la guider dans les moments difficiles. Elle dit avoir souvent admiré et demande conseil à l'acteur Sidney Poitier, l'un des rares afro-américains à avoir réussi à Hollywood dans les années 1960. Goldberg est un parent, une grand-mère et une arrière-grand-mère de Whoopi, en plus d'avoir une carrière étendue et réussie dans l'industrie du divertissement qui s'étend sur plusieurs décennies. Elle a été mariée à 3 reprises. Sa première union, avec Alvin Martin, date de 1973. Ils ont eu une fille. Ce mariage a duré 6 ans. Après leur séparation, elle a épousé David Claessen en 1986. Cependant, ce mariage n'a pas duré longtemps. Elle a ensuite épousé Lil Trachtenberg de 1994 à 1995, une union qui s'est également terminée rapidement. Goldberg a admis que, bien qu'elle ait été mariée à plusieurs personnes, elle n'a jamais réellement aimé aucun de ses maris et ne les a épousés que parce qu'elle pensait que cela lui donnerait une vie plus normale. Elle a révélé qu'elle est plus engagée envers sa famille. Elle pense qu'être amoureux et avoir un engagement solide envers son partenaire est crucial pour un mariage aussi, mais elle s'en est rendue compte trop tard avec ses anciens maris. Mais elle a appris qu'un mariage aussi exige un réel engagement envers son partenaire et une volonté commune de résoudre les problèmes. Elle ajoute : il n'y a pas de bonne raison de se marier. Il faut vraiment vouloir une vie avec quelqu'un, avec des hauts et des bas. Et j'ai juste découvert que ce n'était pas pour moi. Même si le mariage n'a pas fonctionné pour elle, l'actrice influente reste une femme forte et indépendante qui a eu un impact significatif sur le monde. Goldberg reste ferme face à la négativité, célèbre la beauté de vieillir. Elle porte ses 67 ans comme un insigne d'honneur, refusant de se laisser abattre par les critiques en ligne. Elle accepte le temps qui passe avec grâce, mais n'hésite pas à partager son esprit et sa sagesse sur les joies et les défis du vieillissement. Dans une vidéo YouTube, elle s'est moquée d'elle-même en disant qu'elle était une « little old lady ». Comme elle l'a admis, l'un des signes évidents de son vieillissement est qu'elle a les pieds gonflés.
Malgré son âge, elle parvient à s'occuper de ses chiens et chats à la maison et de ses arrière-petits-enfants. L'actrice chevronnie s'est également exprimée sur ses cheveux grisonnants dans un épisode de The View. Elle a expliqué à ses co-animateurs qu'elle avait déjà quelques mèches grises. Au lieu de dissimuler ses cheveux gris, elle les embrasse et n'hésite pas à les laisser pousser. Selon elle, ses mèches grises ne sont pas forcément toujours visibles parce qu'elle relève souvent ses cheveux. Le style de Goldberg s'est amélioré avec le temps, et cela l'aide à vieillir avec grâce sans être scrutée par le public, ce que beaucoup d'autres acteurs à Hollywood n'ont pas le luxe de connaître. Elle a admis, « Je n'ai pas eu les mêmes problèmes qu'une belle actrice. Je n'ai pas à m'en inquiéter. Mes rondeurs vont s'affaisser et tomber et je vais m'en sortir. » Ma poitrine va faire ce qu'elle fait. Je peux vieillir comme je le veux. Goldberg et son co-auteur, M.E. ont récemment publié un livre d'auto-assistance, Two Old Broads, qui traite avec humour de l'expérience du vieillissement. Le livre encourage les lecteurs à embrasser leur âge, à ne pas s'excuser et à rester confiants en eux-mêmes. Selon l'actrice, le livre célèbre également l'idée que les personnes âgées peuvent et doivent avoir une vie sexuelle épanouie et active, malgré les stigmates de la société. Tâche du livre, a-t-elle ajouté, s'adresse également à tous ceux qui ont assez de se faire dire ce qu'ils devraient être, et encourage les lecteurs à s'amuser et à embrasser tous les aspects de la vie. Whoopi Goldberg, le 5 octobre 2019, à Atlanta, en Georgie. Source. Jetty Image. Goldberg est contente de vieillir et heureuse de l'endroit où elle se trouve. Cependant, tout le monde ne partage pas sa vision positive, notamment les utilisateurs des médias sociaux. En témoignent les commentaires de certains internautes sur une vidéo Instagram qu'elle a postée en juin 2022 à propos d'un événement à New York appelé Italy Run. Internaute a souligné à quel point elle avait l'air vieille. Commentaire d'un internaute sur le post Instagram de Whoopi Goldberg. Instagram, Whoopi Goldberg. Dans la vidéo, Whoopi Goldberg portait une chemise blanche boutonnée et se tenait devant un arbre en tenant son téléphone portable. Malheureusement, d'autres internautes ont fait des remarques désagréables sur l'apparence de l'actrice. Un d'eux a dit sarcastiquement qu'elle devrait prendre sa carrière. Cette remarque a ensuite été reprise par un autre internaute qui a décrit Goldberg comme une « sorcière de bile ». La remarque d'un internaute sur le post Instagram de Whoopi Goldberg. Source. Instagram, Whoopi Goldberg. Certains internautes ont également critiqué une autre photo Instagram de Goldberg. Sur ce seul cliché mis en ligne en décembre 2020, l'actrice était photographiée montrant ses cheveux blancs alors qu'elle posait dans une longue robe. Elle était devant des arbres des Sèches, tenant un bâton en bois dans sa main droite. Internaute de Q a fait une remarque désagréable. Le commentaire d'un internaute sur le post Instagram de Whoopi Goldberg. Source. Instagram, Whoopi Goldberg. Bien qu'elle ait reçu des commentaires négatifs, Whoopi Goldberg n'a pas semblé s'en préoccuper. Elle n'a pas répondu à ses haters, et certains fans l'ont félicité d'être simplement elle-même. Dans la légende, elle a indiqué que la photo avait été prise pour la série télévisée The Stand, dont elle faisait partie. Elle éloge de l'incroyable coiffure que l'équipe lui a faite. Malgré les défis qu'elle affronte tout au long de sa vie et de sa carrière, Goldberg reste une force positive et influente dans l'industrie du divertissement et au-delà.
La célèbre artiste est un brillant exemple de résilience, de détermination et du pouvoir de trouver la joie et le rire face à l'adversité. Lire aussi. Paul McCartney arrive à faire le poirier à 80 ans alors que ses détracteurs l'ont qualifié de vieux et retraite. Il rayonne aux côtés de sa femme. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.